Déjà de retour, oui, pour faire un format plus condensé et mettre l'accent sur trois points clés. Pour être informé des nouvelles vidéos, n'oublie pas de t'abonner et selon votre accueil, je renouvellerai l'expérience. Voyons aujourd'hui la situation sur le Bitcoin, la news qui fait exploser Cardano et deux situations techniques qui m'intéressent. On sent qu'il y a beaucoup moins de volatilité sur le Bitcoin, que les mouvements sont de plus en plus amples et a fortiori moins violents, avec donc des tendances qui s'étirent dans le temps. Preuve en est avec cette comparaison que j'avais déjà évoquée entre ce qui s'est passé au mois de septembre sur le Bitcoin et depuis un mois, avec les deux séances de flash crash qu'on a connues, mais surtout avec les phases de latéralisation qui s'en est suivie. On voit que celle du mois de septembre a duré un peu plus de 10 jours, alors que celle du mois de décembre a duré plus d'un mois. D'ailleurs, on le voit ici avec le graphique de la volatilité historique, à ne pas confondre avec la volatilité implicite. L'historique, c'est la volatilité qui s'est passée. Implicite, c'est l'anticipation des opérateurs sur la volatilité à venir. On voit donc qu'on est au plus bas depuis 6 mois. Je rappelle que le Bitcoin en daily est en tendance baissière, matérialisée donc par des plus hauts de plus en plus bas. Une dynamique qu'il va falloir rompre en passant au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, en bleu sur le graphique. Elle passe actuellement autour des 44 500 $. Aujourd'hui, on est donc coincé entre ce petit plafond à court terme et également avec cette grosse dalle de béton qu'on a sous les pieds à 40 000 $. Ce sont les plus bas qu'on a connus au mois de septembre. Une première réaction positive a eu lieu, mais il va falloir transformer l'essai. Aujourd'hui, ce qui manque clairement, c'est le regain d'intérêt des investisseurs institutionnels notamment. Seulement 1 milliard de dollars de flux entrants contre 4 milliards de dollars de flux sortants depuis le début du mois de janvier. Les grands fonds américains et canadiens ont réduit leur exposition depuis un mois, avec un petit peu plus de 8 800 bitcoins en moins détenus. Ce qui fait une exposition qui a été diminuée d'un peu moins de 400 millions de dollars. Même chose pour BITO, ce fameux ETF qui est coté à la bourse de New York, où il y a désormais moins de 5 000 contrats à terme qui sont détenus, ce qui fait son plus bas niveau depuis le mois d'octobre. Concernant les contrats ouverts, ce qu'on appelle les open interest, on reste toujours sur le Bitcoin, l'optimisme sur le mois de mars reste toujours de rigueur. On voit qu'on a 1,7 fois plus de contrats à terme call qui sont ouverts par rapport aux contrats put, donc les options d'achat par rapport aux options de vente, alors que pour le mois de février, on est à 1 pour 1. Ce qui veut dire qu'à court terme, les opérateurs ont décidé de ne pas prendre de grosses décisions, en tout cas sur les cours actuels. Et en même temps, ça semble légitime par rapport à la configuration qu'on a vue juste avant, avec cette petite pression baissière qui reste toujours intacte et cette grosse zone de support qu'on a sur les 40 000 $. Pas de panique, pas d'euphorie. Juste un petit peu de patience. Je rappelle que le Bitcoin en termes de performance depuis un mois est au milieu du peloton des 50 plus grosses capitalisations crypto au monde. Il est même un petit peu derrière. Ça n'empêche pas de regarder ailleurs. D'ailleurs, tu remarqueras que Cardano a entamé sa remontée à la tête du classement. 20% sur un mois. D'ailleurs, on va faire un focus sur Cardano. Cardano, c'était pas quand même la fête du slip, hein, moins 65%. Ça, c'est depuis les plus hauts du mois de septembre. Et après un retour sur ce qui n'était pas, non, ses plus bas annuels de 2021, mais ses plus bas depuis le mois de mars, à chaque fois qu'elle est revenue sur cette zone des 1 $, ça a tenu, ça a relancé. Et là, depuis le 10 janvier, ça a pas loupé. Encore une très belle réaction a eu lieu. Et là, c'est quand même 50% de performance en quelques jours. Et malgré ce parcours chaotique, ça, c'est si on voit le verre à moitié vide, on dira plutôt en dents de scie, elle a tout de même dépassé Solana en termes de capitalisation. Et oui, c'est maintenant la numéro 5 en termes de valorisation au monde. Rappelons que mi-2021, elle avait réalisé un hard fork nommé Alonzo, ce qui l'avait d'ailleurs propulsé sur des nouveaux records historiques, x3 en un mois. Hard fork, c'est quoi? C'est un changement radical de réseau, c'est un changement de stratégie pour améliorer la blockchain. D'ailleurs, chaque détenteur de coin Cardano participe démocratiquement au développement du réseau, un peu comme une action de société en bourse. On détient une part du capital et on bénéficie généralement d'un droit de vote. Et ce qui l'a propulsé dernièrement, c'est sur le lancement qui aura lieu le 20 janvier, Sunday Swap. La première bourse décentralisée sur la blockchain Cardano, ce qu'on appelle un DEX, ça permet d'éliminer les intermédiaires. C'est plus sûr, plus transparent. C'est faire correspondre les échanges entre les utilisateurs et de distribuer une partie des frais d'échange aux investisseurs qui fournissent de la liquidité. C'est ce qu'on appelle le yield farming. Tu en connais certainement, comme par exemple Uniswap. C'est donc plutôt une bonne nouvelle en termes de développement, sachant qu'elle s'ajoute à son intention de rentrer dans le métaverse. D'ailleurs, c'est un peu plus qu'une intention. Elle l'a fait dernièrement avec Pavia, où actuellement plus de 8 300 personnes sont propriétaires foncièrement d'une parcelle de ce monde virtuel. Dans un marché globalement atomisé, c'est toujours plus agréable
et plus performant accessoirement de se positionner sur des cryptos qui sont en tendance haussière. Parce que quand on a une phase générale de latéralisation, c'est un petit peu mou, elles sont plutôt solides. Ça fait moins peur. Et lorsque tout monte un petit peu, elles en profitent plus. C'est ce qu'on appelle la surperformance. La première dont je voulais parler aujourd'hui, c'est Rose du protocole Oasis Network. C'est ce qu'on appelle un ETH killer. L'objectif, c'est de défoncer l'Ethereum. Mais bien ! Disons qu'elle essaye d'apporter son petit plus par rapport à l'Ethereum. Qu'est-ce qui distingue Rose de l'Ethereum? C'est sa confidentialité et son évolutivité. Le but est de créer des contrats intelligents privés et confidentiels du début jusqu'à la fin, tout en ayant des délais de transaction qui sont réduits. Elle fait parler d'elle en réalisant un nouveau record historique, malgré le fait que tout à l'heure dans le graphique, avec la comparaison sur le Bitcoin, on l'avait pas vu. Ah non, elle ne fait pas partie du top 50 encore, elle est 66e. D'ailleurs, Oasis Network, donc Rose, interagit avec Cosmos de la crypto Atom, qui fait partie des plus performantes parmi les grosses cryptos, avec 80% de performance en un mois. La cotation de Rose a débuté en novembre dernier et depuis elle a fait un très beau parcours en daily. D'ailleurs, elle est toujours en tendance haussière, matérialisée par ses moyennes mobiles. Celle qui est en rouge, c'est la MM50 qui accompagne cette tendance. 45 centimes, c'est un premier repère à ne pas enfoncer à très court terme, et sur une plus longue échéance, on regardera les 35 centimes comme soutien à moyen terme. Attention tout de même, à ces prix-là, c'est très volatile. Elle peut perdre 30, 40, voire même 50% sans pour autant remettre en cause sa tendance daily haussière. Et ça, c'est toujours à prendre en considération dans le cadre d'une gestion de portefeuille globale. Même si un peu moins punchy, on a Matic de la blockchain Polygon. Elle est toujours en tendance haussière. Elle flirte beaucoup avec sa MM50 daily, là aussi en rouge. Et sa tendance haussière est matérialisée par une oblique ascendante. Ça sera notre point de repère de cette dynamique. En gros bouchon s'est formé à 2,70$, ça correspond à des records historiques. Elle est 13e mondiale en termes de capitalisation. C'est ce qu'on appelle une solution de couche secondaire à l'Ethereum. Le but étant d'améliorer la vitesse de transaction et réduire les coûts. C'est pas parce que le Bitcoin est baissier que les plateformes ne se développent pas et que les investisseurs se délestent complètement de tous les projets. On vient de le voir avec Cardano. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours des tendances qui sont positives malgré tout. On peut en trouver. Il faut aussi patienter parce que les mouvements sont beaucoup moins violents dans un marché donc globalement moins volatile. Et troisième chose, restons toujours attentifs aux cryptos qui se réveilleraient en plaçant des alertes au-dessus de la tête. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vos pouces et je vous dis à très vite. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le code mnémonique de Cardano, c'est ADA. ADA. Et pourquoi ? C'est le nom d'une mathématicienne considérée comme la première programmeuse informatique au monde.